Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 27 avril 2018. Avouez, ça vous avait manqué cette petite introduction, hein? Je fais cette vidéo parce que j'avais dit au mois d'avril que je suspendais de manière provisoire ma chaîne YouTube. Bon, parce que honnêtement, quand je fais des vidéos, il faut déjà que j'ai mon PC à proximité. Là, vous voyez, c'est Windows 10. Hein, rassurez-vous, je ne suis pas passé sur Windows 10. C'est juste parce que je ne suis pas chez moi et que j'enregistre cette vidéo sur mon PC portable du boulot. Voilà. Mais à la maison, je suis toujours sur Calculate Linux, rassurez-vous. Et vous comprendrez bien évidemment que c'est compliqué d'enregistrer des vidéos sur le PC du boulot, faire des tutos Linux et compagnie sur le PC du boulot. Je veux dire, j'ai pas forcément toutes mes machines virtuelles sur le PC du boulot, évidemment. J'utilise principalement que, d'un point de vue professionnel, mon PC professionnel, petite exception aujourd'hui. Et donc en fait, dans cette vidéo, ce que je veux vous dire, c'est que je vais avoir du mal quand même à consacrer à nouveau dans les prochaines semaines encore du temps avec mon PC qui est à la maison pour faire des tutoriels vidéo. Donc pour le moment, c'est un petit peu en stand-by. Je vais essayer d'écrire quand même quelques articles sur mon site LinuxTrix, vous avez vu, j'en ai fait quelques-uns au mois d'avril. Enfin, quelques articles, quelques blogs. Article sur le blog ou quelques documentations dans la partie wiki du site, bah, parce que j'ai pas forcément besoin de mon PC. Je veux dire, j'écris ce que j'ai à écrire et je peux commencer à rédiger, mettre le truc en brouillon, reprendre 10 minutes pour continuer de rédiger. J'ai pas besoin forcément d'être sur le même PC. Là où j'enregistre une vidéo, j'ai besoin d'avoir mes machines virtuelles, mes petites commandes, bref, ma petite vie, mon environnement de travail normal. Mais dans cette vidéo, je voulais vous dire quoi surtout ? Je voulais vous dire que le C'est quoi qui dit épisode 12, eh bien il va avoir lieu au mois de mai, hein, puisque ce sera le mercredi 2 mai à 20h, hein, premier mercredi du mois. Donc mercredi 2 mai à 20h, c'est possible, je serai là, puisque je ne travaillerai pas. Et surtout, c'est que le mardi 1er mai, eh bien en France, c'est la fête du travail, et donc c'est férié. Donc ça me laissera le temps de trouver... tester, faire mon sujet pour C'est quoi qui dit, parce que finalement quand je prépare une émission en direct là, le C'est quoi qui dit, il faut bien sûr que je prépare un plan, que je sache quoi dire. Souvent je répète au moins une fois le C'est quoi qui dit dans le blanc pour voir que ça tienne pas trop longtemps dans le temps et être cohérent dans ce que j'ai à dire, et s'il y a des petits bugs que je puisse corriger, ordonner mes idées. Voilà, donc il y a un petit travail de préparation et forcément ça prend du temps. Et au mois de mars, fin du mois de mars, je n'avais pas le temps de préparer et je n'étais pas dans la capacité début avril de consacrer du temps à partir de 20h un soir dans la semaine pour vous faire cette émission. Mais au mois de mai, je vais pouvoir avoir le temps. Je vais essayer, même si je ne vais pas pouvoir produire des vidéos quand même ces temps-ci, je vais quand même essayer de maintenir, dans la mesure du possible, les « c'est quoi qui dit », qui est au moins un minimum de vie sur la chaîne, et un peu d'interaction. Et comme vous le savez, aujourd'hui, vendredi 27 mars, Ubuntu 18.04 est sorti. Et donc, qui dit Ubuntu 18.04 sorti, dit qu'un grand nombre de youtubeurs, français ou anglais, vont présenter cette distribution. Il va y avoir pléthore d'articles sur Internet. Du coup, on va s'intéresser, pour le C'est quoi qui dit, à Ubuntu 18.04, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne parlera pas tellement de la version Ubuntu classique. Je vais m'orienter sur l'édition matée de Ubuntu 18.04. Voilà. Donc, on fera un petit tour rapide des nouveautés de Ubuntu classique, hein, donc avec sa version GNOME, et on partira ensuite à la découverte de Ubuntu Maté 18.04, sujet du C'est quoi qui dit épisode 12, qui fêtera les 1 an du début de l'émission C'est quoi qui dit, puisque ça fait 1 an que j'ai commencé ces directs, voilà, les premiers mercredis du mois. Voilà. Donc rendez-vous mercredi 2 mai à 20h sur la chaîne Adrien LinuxTrix, comme d'habitude, on ne change rien, live est exclusivement en français. Donc moi je vous retrouve mercredi à 20h. Allez, ciao !